lutte contre l'apatridie veut dire qu'il faudra qu'à un certain moment de l'histoire, nous nous trouvions avec des citoyens, des personnes dont aucun État ne reconnaît comme étant leurs ressortissants. Nous, HCR, nous occupons des réfugiés, des demandeurs d'asile, des apatrides et des retournés, des rapatriés, des réfugiés. Nous n'avons pas une nation où nous pouvons nous amener un groupe de gens qui n'auront pas une patrie. Bonjour chers téléauditeurs et auditeurs de la télévision d'Ongelé et bienvenue à notre émission Allo Tanganyika. Aujourd'hui, nous parlons de l'apatridie dans notre émission Allo Tanganyika. Avant de continuer, je salue aussi le directeur de la télévision, M. Boulamba Odon, et d'autre part, M. Iboala Ikone Chamboui, ainsi que toute l'équipe de la télévision d'Ongelé. Et moi, c'est Zidore Kachoulou qui vous présente cette émission depuis Moba, dans la province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Le HCR, en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, sensibilise la population sur la question de la lutte contre l'apatridie. Le HCR Tanganyika, en partenariat avec le gouvernement provincial du Tanganyika, poursuivent cette mission de sensibilisation sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Dans une mission du HCR avec le gouvernement provincial du Tanganyika, dans le territoire de Moba, l'Ongelé Télévision s'est entretenu avec Nyimbo Kishabongo, senior associé de protection terrain au bureau du HCR Kalemi. Nyimbo Kishabongo, avant de donner la définition de l'apatridie, a commencé d'abord par expliquer l'objectif de cette sensibilisation sur la lutte contre l'apatridie. Et lutte contre l'apatridie veut dire qu'il faudra qu'à un certain moment de l'histoire, nous nous trouvions avec des citoyens, des personnes dont aucun État ne reconnaît comme étant leurs ressortissants. Nous, HCR, nous occupons des réfugiés, des demandeurs d'asile, des apatrides et des retournés, des rapatriés, des réfugiés. Nous n'avons pas une nation où nous pouvons nous amener un groupe de gens qui n'auront pas une patrie. D'où nous sensibilisons les autorités et les membres de la communauté pour poser des actes qui vont faire en sorte que à l'avenir ou à la longue, que nous n'ayons pas des citoyens qui soient apatrides. L'apatridie, c'est, comme je le disais, c'est défini tout simplement par le fait que un citoyen n'est reconnu par aucun État comme un ressortissant. Je vous donnerai l'exemple d'un citoyen qui, la RDC ne le reconnaît pas comme son citoyen, où le Burundi ne le reconnaît pas, où la Centrafrique ne le reconnaît pas. Donc c'est un monsieur qui se retrouve. Donc il y a un lien entre citoyens et l'État. Et l'État a des obligations vis-à-vis des citoyens. Les citoyens ont des obligations et des droits vis-à-vis de l'État. Donc un État n'a des obligations que vis-à-vis de ses citoyens. Lorsque vous n'êtes pas citoyen d'un État bien déterminé, vous n'avez pas de droit à lui réclamer. Les notions définitionnelles et fondements juridiques de la nationalité et de l'apatridie auxquelles la République démocratique du Congo a adhéré et ratifié aux instruments juridiques internationaux déterminent qu'un citoyen d'un pays doit avoir une identité. Pour Nyimbo Kishabongo, cela doit commencer à la naissance à travers les structures de l'état civil jusqu'à l'obtention des certificats de nationalité. La déclaration universel des droits de l'homme, qui est le texte de base, et d'autres instruments juridiques internationaux et des traités internationaux auxquels la RDC a adhéré et ratifié. Et il y a aussi des textes de loi que la RDC a appris, tels que la loi portant protection de l'enfance, la loi protection portant sur la lutte contre l'apatridie, et la loi sur le code des familles. Tout cela détermine à ce que un citoyen d'un pays doit avoir une identité. Qui dit une identité? Et cela commence par la maternité. À la naissance, à travers les structures de l'état civil, jusqu'à l'obtention des certificats de nationalité. Ce n'est qu'en cela que vous pouvez vous reconnaître comme citoyen d'un état.
La situation de la patrie indique que beaucoup de Congolais sont incapables de prouver leur nationalité. En approfondissant la question, on se rendit qu'il y a des enfants qui sont nés et qui vivent sans aucune identification. Et n'ayant pas l'identification, cela veut dire que vous n'avez pas la nationalité et vous n'avez pas de droit à réclamer auprès du gouvernement congolais. Oui, la situation de l'état de lutte contre la patrie, ayant fait l'examen avec les participants invités, nous nous sommes rendus compte que nous étions en face de gens, d'abord en commençant par les participants, des gens qui ne sont pas capables de prouver leur nationalité, leur lien avec la RDC. D'où, en approfondissant la question, on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui sont nés, qui vivent, mais qui n'existent pas selon notre jargon. Je vis, mais je n'existe pas. Ils n'ont aucune identification, ils n'ont aucun document qui atteste qu'il existe quelque part au monde. Donc, il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont jamais été enregistrés. Et tant qu'ils n'ont pas été enregistrés, ils n'auront pas la possibilité d'avoir le certificat de nationalité. Et n'ayant pas le certificat de nationalité, d'où vous n'êtes pas, si on doit suivre le texte de loi, vous n'êtes pas Congolais et vous n'avez pas de droits à réclamer vis-à-vis des autorités gouvernementales. D'où la question a été évoquée et analysée pour faire en sorte que nous ayons les mécanismes mis ensemble et suivis pour que nous n'ayons pas des situations où quelqu'un se retrouve dans une situation d'apatridie. D'où tout commence par l'enregistrement des naissances. Pour être citoyen quelque part, c'est à travers la naissance de votre naissance et qu'on reconnaît votre existence ici sur Terre. C'est à ce moment-là que vous commencez à exister. Et cela doit être certifié par des actes d'état civil. D'où lorsque l'enfant naît, de se présenter avec au bureau d'état civil pour obtenir l'acte de naissance. Et c'est ce qui permet d'identifier un individu, une personne, et qui prouve son existence. Et là, ça ne suffit pas. Il faut maintenant, à partir de ces documents-là, la preuve d'être né sur le sol congolais ou d'appartenir à des parents congolais qui font que vous obtiendrez la nationalité congolaise et qui doit être prouvée par un certificat de nationalité. Les enfants doivent être enregistrés à l'état civil pour déterminer leur identification. Selon Kishabongo, c'est l'acte de naissance qui confirme la nationalité d'un citoyen. L'identification des personnes à risque commence par le fait que on trouve qu'il y a des gens qui n'ont aucun document d'état civil, ni l'acte de naissance, en commençant par cela, ni le certificat de nationalité, ni tout autre document qui l'identifie comme étant congolais. Maintenant, pour résoudre la question, donc on est en train maintenant de sensibiliser que les gens se fassent identifier. Et cela doit commencer par l'enregistrement des naissances. Après l'enregistrement des naissances, il y en a qui ne sont plus dans le délai. Or, l'enregistrement des naissances est gratuit et se fait dans le délai de 90 jours, ou soit 90 jours. Dépasser ce délai, on doit faire un jugement supplétif. Ça, c'est pour les personnes qui sont hors délai. Mais il se fait qu'il y a même des grandes personnes qui, depuis leur existence, n'ont jamais eu ce document. Mais comment en avoir? Là, ils doivent avoir les actes de notoriété, comme le juge-président du tribunal de paix de Moba nous a suffisamment renseigné là-dessus. Donc chacun doit faire un effort pour obtenir un document qui atteste qu'il est citoyen congolais, en passant par maintenant des mécanismes et des procédures que les autorités ont mises en place pour récupérer le retard. Plusieurs parents ne se mettent pas à enregistrer leurs enfants à l'état civil en espérant qu'à l'âge de 18 ans, ils auront une carte de lecteur. À cette question, Nimbo Kishabongo a indiqué. C'est une erreur et une mauvaise compréhension que les gens, et quand vous suivez la loi électorale et les différents textes de la RDC, ils disent que la carte de lecteur n'est là que pour faciliter à un citoyen ayant atteint l'âge de la majorité d'élire, soit le député, soit le président de la République. Et on a dit bien que
cette carte d'électeur fait office provisoirement d'une carte pour citoyen. Pourquoi ? Parce que le dernier recensement de la RDC remonte à 1984. Et après cette date, il n'y a pas eu le recensement. Et qui dit la non-existence du recensement, il n'y a pas eu un document d'identité délivré aux Congolais. Alors si la carte d'électeur est considérée comme la carte d'identité, que direz-vous des gens qui ne se sont pas présentés aux électeurs, qui ne se sont pas enrôlés, car ils ont trouvé que pour eux, élire, ça ne servait à rien. Ils n'en ont pas eu. Et d'autres, par maladie ou empêchement, ou par éloignement du centre d'enrôlement, ils ne se sont pas présentés, ils n'en ont pas. Donc, ils n'ont pas un document qui prouve un document d'identité. D'autre part, l'Ongelo TV s'est entretenu avec le juge président du tribunal de paix de Moba pour savoir comment cette institution juridique est engagée dans la lutte contre la patrie. Le juge président Akech Mukeba s'est exprimé ainsi. Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que ici à Moba, il n'y a pas un tribunal pour enfants. C'est le tribunal de paix qui fait office du tribunal pour enfants. Mais toutes ces institutions, que ce soit le tribunal de paix, que ce soit le tribunal pour enfants, luttent contre la patrie. Dans quel sens? Le tribunal de paix fait des jugements supplétifs. Avec ces jugements supplétifs, la personne peut être en mesure d'obtenir son certificat ou son attestation de naissance. Et sur base de ça, il peut obtenir son certificat de nationalité, qui est la preuve même de la nationalité. Et là donc, ça aide aux citoyens congolais de quitter dans cet état ou dans cette situation d'apatridie. Oui, monsieur le juge président, on veut savoir quels sont les défis rencontrés par le tribunal pour enfants dans sa lutte contre la patrie. Le défi, c'est que la population a peur de la justice. La population pense qu'aller à la justice, ils vont gaspiller beaucoup d'argent. Bien sûr, vous ne pouvez pas venir à la justice sans argent. Tout est payant. Il y a des frais de justice, des frais qu'il faut payer là-bas. Mais cela n'empêche. Il y a une autre procédure, la procédure dite d'indigence. Si vous vous sentez indigent, si vous êtes pauvre, vous n'avez pas de moyens, il y a cette possibilité de saisir le tribunal, de venir devant le tribunal et vous serez rétabli dans vos droits. Et là, vous serez, le juge peut vous dispenser, soit totalement, soit partiellement, des frais de justice. Et donc, nous encourageons la population, tout citoyen qui se trouve dans cet état d'apatridie, tout citoyen qui voit qu'il n'a pas des actes qui peuvent l'amener à obtenir les certificats de nationalité, il peut toujours saisir les instances judiciaires. Parce que c'est ça même le rôle du tribunal, c'est ça même le rôle de la justice, c'est de rétablir tout citoyen dans ses droits les plus fondamentaux. Et quelles sont les perspectives de prévention de la patrie? Les perspectives, c'est comme nous le disons, le tribunal est là, n'est-ce pas? Le tribunal aide aussi dans cette lutte contre la patrie. Et nous encourageons la population. Nous disons à toute personne qui se voit dans cet état de venir devant les instances judiciaires et il lui sera rétabli dans ses droits. Dans les échanges avec le chef du 5e bureau de l'état civil au ministère de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika, Kalume Mungani Kabangi, a indiqué que le gouvernement provincial du Tanganyika est totalement engagé dans la lutte contre la patrie. La lutte contre la patrie, la province du Tanganyika s'en occupe beaucoup. S'en occupe beaucoup. Et sur l'appui aussi de l'ONG, on dirait donc le système des Nations Unies, ACR, qui cherche à tout prix appuyer le gouvernement provincial dans la lutte contre la patrie.
Alors, on fait cette enquête.